Ça fait combien de temps que j'ai dormi, moi? Monsieur? Pourquoi ils me répondent pas? Monsieur? Pourquoi me répondiez-vous pas? C'est quoi ce monde fou? Bonjour. Pourquoi il me répond pas? Monsieur? Pourquoi il me répond-il pas? Je ne sais même pas où je suis. J'ai fait demi-tour. Je suis arrivé où, moi? Et surtout, combien de temps j'ai dormi? J'ai pas pu dormir une simple nuit. Zone combine. Monsieur? Eps, tu veux de la bouffe? Oui. J'ai de quoi te vendre de la bouffe pas cher. Venez. Venez, venez. Vous me passez 30. La 30, c'est le sachet. Donc c'est vraiment pas cher. Je me fais un petit D'accord. bénéfice de 5. Je lui donne ça. Vous me passez 30 jetons et Voici. Et sinon, savez-vous ce qui se c'est passe? pour tac. Je vous remercie, Ouais, c'est pour attendez. quoi? Ben, déjà où nous sommes. Je suis arrivé par le train et... Vous êtes nouveau, vous, non? Oui. En gros, je fais des choses pas très légales, on va dire. Je vends du chocolat. Donc normalement vous avez droit à une tablette, pas plus, pas moins. Sinon, total. Là, nous sommes dans une ville où on a des PC. Des PC, c'est des protections civiles. Donc les protections civiles, vous devez baisser les yeux devant eux. Donc voilà. Vous devez être là, c'est on est sous une dictature en fait, et en fait il est préférable pour nous qu'on obéisse complètement aveuglément à tout ce que les protections civiles nous disent, nos faire. Il nous faut une loyauté à voilà un D'accord. maximum de loyauté. Ou alors vous faites partie des résistants et vous faites tout pour saccager ce que font les PC et tout, mais discrètement, sans vous faire tuer, parce que sinon c'est casse le départ. D'accord. Voilà, moi je dois vous laisser, j'ai d'autres affaires. Merci. Il nous a tout expliqué. Anti-citoyen uniquement. Métropole. C'est tout à fait vide.
zone interdite anti-citoyens uniquement. Eh ben dis donc, c'est si calme. Le monde a changé depuis. Bonjour. C'est quoi cet endroit, sérieusement? Je sais où je suis. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, faut que je sache comment pourrais-je survivre ou comment pourrais-je arrêter cette. Bonjour. Oh, on peut rien. Oh, mon canapé est détruit. J'ai déposé ma barquette de chocolat ici. Non, je vais la prendre. Bonjour. C'est vous qui êtes un travailleur en ce lieu? Vous travaillez ici? Bah... Oui, je suis le gérant. D'accord. Est-ce que déjà vous avez réussi à... vous approvisionne en nourriture. Je peux faire ça si vous voulez. Bah là, c'est bon. J'ai déjà des fournisseurs. D'accord. Vous, monsieur, vous avez besoin de nourriture, quoi que ce soit? Pas pour le moment, mais quels sont vos prix de nourriture? Pas plus, pas moins. D'accord. Bon ben, j'ai un... J'ai Yel, je pense. De l'arachide, du café, du chocolat et de l'orange. D'accord. Et ça sera 30 jetons, et c'est tout, pas plus, pas moins. De toute façon, je me fais un petit bénéfice de 5 et c'est tout. Ça d'accord. Pas vraiment cher. Bon, je prendrai du chocolat. Je donne les. 30 jetons, s'il vous plaît. Je donne ça. Pareil, on trouve de l'argent assez rarement. Hop. Voici, monsieur. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci, je reviendrai rapidement. Au revoir. Un joli bar, juste à côté de chez moi. Attention City 17, the Russian distribution terminal is now offline. Attention City 17, working class citizens, please proceed to warehouse 3. Est-ce que c'est illégal d'avoir plus de... d'avoir un nombre considérable... Bah, c'est nourriture. J'ai gardé sur moi. On ne sait jamais. La faim peut m'emporter. On le dit. Et j'adore cette ambiance, pas vous les gens. Oui, je suis okay, entre parenthèses, mais l'ambiance, je la trouve géniale. Je peux boire un coup.
Oh, bonjour. Tristan? Bonjour, j'ai une information. Ben au revoir, j'ai pas d'information. Oui, comment fait-on, monsieur, pour s'asseoir? Non. Halt. Halt. Monsieur, vous désirez... Bonjour. Je désire rien, je passe faire un petit tour. Vu qu'il y a un peu d'ambiance ici, c'est déjà mieux que dehors, vous voyez. Bon, cela vous dérange pas trop. D'accord. Bah, vous, monsieur, bah, si vous n'avez pas à vous asseoir, restez debout, hein, j'ai envie de dire. Il y a une solution. Oui, tout à fait. Sinon, vous êtes là depuis longtemps, vous? Non. Non? D'accord. Et vous connaissez un peu ce qui se passe en ville? Parce que j'ai demandé à des personnes, ils m'ont un peu renseigné. Et c'est pas joli à voir, vous voyez. Oui, c'est chiant. Oui. D'accord. Mais les résistants ne viennent jamais. Je vous remercie. Merci. Alors, comment fait-on? Tiens. Bon, Pierre, je te paye si tu n'y arrives pas. Je paye le petit tour. Merci, c'est très gentil. Voici monsieur. Je paye pour le monsieur. Allez-y, je vais être un pâte. Tenez, je vous donne un petit soufflet. Ça reste entre nous. D'accord. Nickel. Je me prends ça. Est-ce que vous voulez qu'on... On va dire entre guillemets qu'on passe du temps ensemble ou pas? Vu que tu vois, avec ce genre de temps, ce genre d'atmosphère. Oui, j'aimerais bien visiter sans me faire arrêter. Ah, vous êtes déjà fait arrêter? Oui, deux fois. Ah oui. Deux fois parce que je savais pas montrer mes papiers, mais maintenant je sais. Ah oui. Vous les trouviez pas, ça doit être ça. C'est quoi? Bonjour. D'accord. Monsieur, vous enfin, devez... un espagnol. Voilà. Et ils font... Et on paye en prison ou pas? Parce que vu que ça a beaucoup changé ces dernières années. Monsieur, l'accès... Comment? Quoi, est-ce qu'on paye une amende ou quelque chose comme ça ou pas? Ça, rien n'a changé depuis présent. Ah, comme ouais. On peut rien faire, ben voilà. Ah, d'accord. Ah, par contre, vous avez laissé vos soucis par terre.